Il y a du monde. Ah ouais, ça me stresse au bout. Toi, ta famille, tu es venu te voir? Ben, il y a mon père, mais... Attends! Mon père est pas là. Il est pas arrivé. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Vos animateurs de ce soir, Élise Godon, Daphné Mercure, Flavie Bédard et Émile Lamarche. Bon spectacle à tous! Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième finale régionale de secondaire en spectacle, édition 2023. Mon nom est Marie-Lie Dupont et je vous présente Flavie Pelletier. Nous serons vos maîtres de cérémonie pour la soirée. Ce soir, vous verrez défiler 17 numéros. Les 14 premiers numéros sont dans la catégorie concours. Ainsi, ces numéros seront jugés selon les critères de secondaire en spectacle, soit l'originalité, la présence sur scène et le talent. Par originalité, on entend la capacité de surprendre, l'authenticité de la démarche artistique et le développement d'un concept personnalisé et unique propre aux participants. La présence sur scène fait référence à la manière de bouger, d'utiliser l'espace, à la disposition des objets et à l'attitude en général. Chaque participant est responsable de sa mise en scène. Le talent s'évalue en fonction de sous-critères propres aux habiletés requises de chacune des quatre disciplines artistiques, soit musique, variété, danse et expression dramatique. La pondération pour les trois critères d'évaluation est la suivante: originalité pour 30%, la présence sur scène pour 20% et le talent pour 50%, pour un total de 100%. Ce soir, 7 juges sélectionneront 3 numéros gagnants. Ces numéros représenteront la Mauricie lors du rendez-vous pan-québécois à Laval du 1er au 4 juin prochain. Les 3 derniers numéros, quant à eux, sont hors concours et permettent au jury de délibérer. D'ailleurs, afin d'aider le jury dans cette lourde tâche, nous vous prions d'être un public exemplaire en étant respectueux, généreux et attentif à tous les artistes. Sachez que les photos sont permises si vous enlevez le flash afin de ne pas déstabiliser les artistes. Notez que ce qui pourrait déstabiliser les artistes, ce serait sûrement le son d'un cellulaire. C'est pourquoi nous vous demandons d'éteindre votre sonnerie si ce n'est pas encore fait. Sans plus tarder, commençons le spectacle. Comme premier numéro, nous vous présentons une création totale en musique intitulée « A Little Piece of Nightmare » de l'école Chavigny, accueillant Isidore Gagné, Ila Nulachi-Asselin et Samuel Ross. Thank you.
la population en donnant de l'argent. Oh. Bonjour, j'aimerais faire un don. Pour quel organisme travaillez-vous? Enfants piteux du monde. Et en quoi consiste cet organisme? Madame, vous posez beaucoup trop de questions. Faites juste un don et vous les aiderez. J'aimerais seulement être mieux informée pour être sûre que l'argent que je donne va vraiment aux enfants piteux. Madame, nous sommes un organisme au but non lucratif comme un autre. Arrêtez de poser autant de questions. Mais... Pas de mais. Faites un don. J'aimerais vraiment ça, être mieux informée. Oh, bon, d'accord. Allez-y. C'est un organisme... Oui... Pour aider... Mais encore... Les enfants piteux! Ça, j'avais compris, c'est le nom de l'organisme. Mais c'est ce que j'essaye de vous dire depuis tantôt. Bon, ben non, je donnerai pas, là, finalement. Bonne journée. Ben c'est ça! Bravo, madame! Vous venez de faire un enfant piteux de plus! Continuons avec un numéro en création partielle. Voici « Aidez-moi », interprété par Léane Balergeon de l'École secondaire des Pionniers. Je suis si seule quand je chante, et ce sont mes pleurs qui me hantent.
vous avez su que le boss était pas là? De quoi il est pas là? Ben non, il est pas venu. C'est son idée, le team building, puis il est pas venu. Non, il croit pas à ça. Mais pourquoi il nous l'oblige d'abord? Ben, il y a du budget, pis ça paraît bien. On travaille dans un dépanneur. Bienvenue à Retraite Performance. Êtes-vous prêt à devenir le meilleur de vous-même? À vous faire confiance? À vous parler? Non. Parfait. On appelle ça un défi. Puis moi, je carbure au défi. Tu carbures jusqu'à quelle heure? En fin de semaine, on n'a pas d'heure. On a le temps. Évidemment, c'était sûr. Bon, là, on fait ce qu'on a à faire, puis on sac notre camp. Premier exercice. Vous allez mettre la paume de votre main dans le front de votre voisin. Comme ça, vous allez pouvoir savoir à quoi l'autre pense. Vas-y, Caro, dis-nous ce que tu lis. Je lis pas ça, avoir une main dans le front. Wow, c'est ça? Belle lecture. Maintenant, regardez-vous dans le blanc des yeux et confiez-vous votre plus grande peur. Que cette journée-là finisse jamais. Mort, brûlé vif, sur le pont La Violette, dans un accident de char. Parce que pendant un vendredi soir. En tout cas, moi, depuis aujourd'hui, des sushis. Hey! J'aime ça, votre honnêteté. Je vous sens de plus en plus proche. Maintenant, on va pouvoir passer au côté professionnel. Mise en situation! Lily Rose, tu vas jouer le client. Oscuse, tu vas incarner le client. Et toi, tu vas répondre à ses besoins avec bienveillance et inclusion. Allez-y! Salut! Faire signe de la main. Sont où les chips? Pointe du doigt, juste là. Juste là. Bravo, on a senti tout ça. Je vais vous le confier, vous êtes mon meilleur groupe. Aujourd'hui, c'est moi qui vous remercie. Mon questionnement. Continuer à aider les gens ou venir travailler avec vous au dépanneur, ma nouvelle famille? Juste te dire, là, si tu viens travailler avec nous, on va être obligé de faire des camp team building dans un chalet habillé en ton mets préféré. N'en dites pas plus. Meuf là! Poursuivons avec une création partielle en expression dramatique intitulée « Les deux chums de femmes 2 ». De l'école secondaire Champagnat, voici Gloria Doucet et Justine Rochefort. Allô? Allô, ma chum? Hey, viens-t'en chez nous, je t'ai préparé une petite surprise. Ah, ben, ça tombe bien, je suis déjà là, puis en plus de ça, sais-tu quoi? Ben non. J'ai mis la nouvelle sacoche que tu m'as donnée. Ben, tiguidou, ça se l'aille. Allô? Allô, ma chum? Ben, voyons, c'est quoi ça? Mais de quoi c'est quoi ça? Ben là, on est-tu à un enterrement de vie de jeune fille ici, puis je sais pas, là, c'est quoi la joke? Non, non, là, c'est pas ça, ça fait partie de ta surprise. Bon, ben, en parlant de ma surprise, c'est quoi, hein? Viens-t'en. Tada! Hey, c'est quoi, c'est quoi? Ben, voyons, c'est quoi ça? Hey, regarde, je t'ai fait une tombe à main. Il y a du petit brillant, puis j'ai même mis du petit minou dedans. Check derrière toi. Hey! Je t'ai faite. Regarde là, toutes les belles petites photos de toi quand t'étais bébé. OK, bon. Fait que si t'as pas compris, je t'ai fait une pratique d'enterrement là. Hein? Tu t'en viens vieille puis tu fais pas d'aérobie, la mort approche. Écoute, ça te dérange pas. Je pense que j'aimerais mieux finir incinérée. Ça te dérange-tu? Ben voyons, oui, ça me dérange. Hey, t'es destinée à finir enterrée à côté de ton vieux Bertrand. Hey, on s'en est déjà parlé, hein? Oui, oui, on s'en est déjà parlé, hein? Tu veux des pires conversations à vie? J'en ai eu assez de son héritage, puis c'est pas vrai, j'en veux plus. En parlant de son héritage, tous les matériaux pour faire ton cercueil, ça m'a coûté le prix de l'héritage de ton mari, OK? Fait que, ah ouais, dans la tombe, parce que si t'embarques pas, m'être assez fâché. C'est bon, j'embarque. Qu'est-ce que tu fais? J'embarque. Mais oui, hein? Un, deux... 3, 4, 5. Bip, bip. C'est long, là. Ah oui! Excuse-moi, excuse-moi. Qu'est-ce que tu
fais? On joue pas à Dirty Dancing, là? Bon. OK. Je vais vous montrer c'est quoi une petite pause bien méritée. Ah! Au secours! Colin de Bin de Flarouin! C'est qui a fermé la lumière? Gisèle, je pense qu'il y a une panne d'électricité, quelqu'un! Ouvrez! Ouvrez la lumière! Oh! Oh! L'électricité est revenue. Ben oui, tout chose, l'électricité est revenue. Hey, tout qu'un phénomène, cette femme-là, hein? Bon, en tout cas, là, OK? La suite va être bien, bien, bien triste, hein? J'ai préparé mes mouchoirs. Bon, OK. Fait que, tu sais, c'est moi qui vais lire ta cérémonie, OK, à ton enterrement? Mais on va commencer par notre tune, là. Tu sais, notre tune quand on était jeunes, là, OK? Couplet 1, c'est moi. Couplet 2, c'est toi, OK? Maestro! J'aime les oiseaux. Go, go! 1, 2, 3, go! J'aime les oiseaux. OK, c'est beau, retourne dans ta tombe. Ah ouais, retourne dans ta tombe! Excuse-moi. Bon. OK. Fait que là, on va commencer par... Oui, parler des qualités. Ah, genre belle, gentille, oui. Fine. Oui, fine. Fine à ta manière. Fine à ta manière, hein? OK, bon. Fait que là, je vais commencer par ma vieille chialeuse. Hey, tu vas toujours bien pas m'appeler ma vieille chialeuse, là, hein? Hey, tu commences déjà à chialer, là. Sinon, là, il est fait pour toi. Puis en plus de ça, t'es censée être morte. Fait que arrête de chialer. Bon. OK. Je t'entends encore me dire, tu t'en vas encore à ton maudit Aerobi? C'est même pas vrai, j'ai jamais dit ça. J'ai juste dit ton colline d'Aerobi, hein. J'ai jamais dit ton maudit d'Aerobi. Hein. Ben oui. Hey, c'est pareil, hein. Bon. Ben oui, je m'en vais encore à mon maudit Aerobi. Puis j'enseigne à ta bru. Hein? C'est moi la coach. Ah ben la maudite, j'espère que tu vas casser une hanche. Hey, toi là! Bon, je t'entends aussi encore me dire, mon vieux Bertrand, c'est à cause de lui qu'on a des dettes aujourd'hui. Oui, c'est à cause de lui, garde, s'il n'aurait pas dépassé son argent dans toutes ces petites affaires-là, j'en aurais plus des dettes. Ben oui, c'est ça, hein? Ben oui. Bon, donc comme je vais poursuivre. Comme je disais, on est le 21 janvier 2024. Hey! C'est ma bru, hein? C'est elle qui t'a dit ça, c'est elle qui va me tuer, je le savais. Hey, non, ça se fait. Arrête de penser qu'elle veut te tuer. Hey, elle a juste essayé une fois de te mettre du Purell dans ton bol à céréales, hein? Pendant le COVID, c'était pour t'aider. C'est quoi tu buvais quand t'étais jeune? Du parfum. T'as-tu vraiment dit ça? Du parfum. Merci. Hein? Bon, je vais être sûre d'avoir bien compris. Bon. Je t'entends aussi encore, mais... Oh! Il est 4 heures! Pas 4 heures, mouvement de hanche. Je m'en vais enseigner à ta bru. Hein? Bon. Fais comme chez vous, là, garde. Reste là, là. Je suis pressée. Bye, ma chum! Oui, c'est pour quoi? C'est un buffet pour la vieille qui est morte, là. Ah ben, elle avait vraiment tout prévu. Ah, puis en plus, il y a encore une panne d'électricité. Oui, je suis présentement au musée de cire de Mme Tussaud, où une femme, ayant clairement brûlé la chandelle par les deux bouts, tient en otage la police avec ses menaces. Allons voir à l'œuvre le négociateur de la police, en espérant qu'il soit à l'écoute et n'ait pas de bouchons de cire dans les oreilles. Madame, calmez-vous. Ce jeu n'en vaut pas la chandelle. Veuillez libérer les otages et nous continuerons à discuter. J'en ai rien à cirer de vos otages. Ce que je veux, c'est des vedettes. Des vraies vedettes. On m'avait promis des vedettes. Ben non! C'est juste des catins! C'est normal! C'est un musée de cire! Oh oh! Ce n'est pas réglé lorsqu'on voit ce qui se passe. Ça brasse en cierge. Vous me prenez à la légère. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Regardez ce que j'ai fait à notre Guylaine nationale!
j'ai sa main dans ma main pour la vie. Ça va être dur de tenir son trophée l'année prochaine jusqu'à une main, hein? Bye bye, Kiki! Madame Doreille, ça essaie de jouer avec le feu, ce n'est pas une blague à faire! Oh, je vais être obligée de lancer l'offensive! Oh, je ne crois pas, non! Ne faites pas ça, car je suis prête à tout! Oh, les menaces coulent de partout! On arrive, madame! Très bien! Vous m'obligez au pire! Vous serez responsable de mes actions. Ne faites rien que vous pourriez regretter, Madame Doreille. Oh, ce n'est pas moi, non. Mais le Québec et même le monde entier qui le regrettera lorsque j'aurai fait fondre la tête à notre Céline nationale avec mon séchoir. Adieu, Vegas! Mesdames, messieurs, la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que Madame Doreille aurait trouvé le nouveau remède pour le corps raide de Céline? Si c'est le cas, on lui doit une fière chandelle. Le quatrième numéro de la soirée, L'Enfer et Contrôle, est un numéro dans la catégorie musique-interprétation. De l'Institut secondaire Kerena, accueillons Eliane Bourque. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà de ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, je ne veux pas perdre beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, c'est que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Je ne veux pas perdre. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fière. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre en enfer. Ces pensées qui me font vivre en enfer. Chaque jour qui passe.
Savais-tu que le boss n'était pas là? C'est encore lui qui nous oblige, puis il est toujours pas là? Ben non. Vous êtes venus? Je suis bien contente! On vient faire quoi, là? C'est aujourd'hui qu'on va savoir si j'aurai une petite fille ou un petit gars! Puis pourquoi fallait qu'on soit là? Parce que vous êtes ma nouvelle famille! Oh, c'est ça. Parce que je vous apprécie, puis je veux que vous soyez heureux, j'ai décidé de faire un jeu! Oh, yeah! Oh, je savais que vous aimeriez ça. Si vous pensez que j'aurai un petit gars, mettez la paume de votre main dans le front de votre voisin. Et si vous pensez que j'aurai une petite fille, mettez deux doigts dans le front de votre voisin. C'est jaune! C'est quoi? Ben, je suis pas encore enceinte, mais je sais que je vais l'aimer comme mon petit rayon de soleil. Arc! Dans la discipline musique, ils ont décidé de nous offrir une interprétation de « Pour que tu m'aimes encore ». Du Collège Marie de l'Incarnation, applaudissons Édouard Allard et Flavie Morel. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané et que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tous appelés là, l'amour aussi passe. Il faut que tu saches, j'ai recherché ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme. Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi, mais je ne suis pas les autres. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se cache, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme. Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour l'infini vendange. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, je les dirai sans remords pour que tu m'aimes encore.
je m'inventerai reine pour que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Je deviendrai ces eaux qui te donnent du plaisir. Vos jeux seront les nôtres, c'était les temps désirs. Plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle. Je me changerai en or, pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Bye. C'est fou, pareil, la technologie. Qu'est-ce qui t'impressionne tant que ça? Je sais pas tout. Les ordinateurs, le wifi, les souris, pis tout! Et qu'est-ce qui nous vaut cette belle envolée ce matin? Ben, j'étais au téléphone avec leur femme de ménage. Elle m'appelait pour me dire qu'elle allait faire du télétravail! Du télétravail? Ben oui! C'est fou comme c'est simple! Elle va m'appeler de chez elle pour me dire ce qu'il y a à faire! C'est capoté! Poursuivons le spectacle avec un numéro de danse en création partielle. De l'école secondaire Val-Mauricie, voici L'Enfer avec Maëve Paquet. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Bonjour les amis, aujourd'hui, moi, Alcotès, avec Ballon et Bazou, allons t'apprendre l'étiquette routière. Il est important
d'être un bon usager de la route. Tu ne voudrais pas avoir des problèmes avec les autorités. Les contraventions, c'est... Non, non, non! Mais dis-moi, Balloon, avec qui doit-on partager la route? Les cyclistes, les piétons et les cantons. Pour t'en souvenir, rappelle-toi notre rap. Y'a des malades partout dans les rues. Y'a des pompins sur le bord du chemin. Pis le brigadier qu'on envoie. C'est un très bon truc et ça aidera certainement beaucoup d'enfants. Mais la question qui me vient en tête est, après combien de verres la police peut-elle te faire du trouble? Un gin sechin. Deux vodka, ça ira. Trois bières, c'est pépère. Quatre hommes, c'est moins le fun. Cinq tequila. Tequila! Et oublie pas qu'à six... Poste de police! Ouais! Merci les amis, c'était tout pour cette semaine. Et rappelle-toi notre slogan... C'est OK si tu te fais pas pogner! Enchaînons avec une interprétation en musique intitulée « Corps ». Accueillons de l'école secondaire Champagna, Lauriane Filion. Je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les faits. Y a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Se sont écoulés.
chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Hey, j'ai reçu mon horaire, là. J'ai français lundi matin, philo mardi PM, mercredi j'ai natation et histoire médiévale, le jeudi j'ai rien, mais c'est chien, vendredi, 8h du matin, j'ai un cours en méthode quantitative. Ah, t'étudies en quoi? En sciences humaines avec maths. Pis toi, t'as-tu eu ton horaire? Oui, je me suis inscrite dans une nouvelle technique, puis je vais vous le dire, je me pognerai pas le beigne. Mon horaire est chargé au bout. Je suis quasiment sûre de devoir la faire en 4 ans. Crime, c'est plate, ça. T'étudies en quoi? Soins infirmiers? Non, je suis en CCNMS, puis on choisit notre spécialisation à la troisième année. Oh, c'est quoi? Création de contenu numérique et médias sociaux, ou TI pour technique d'influencia. Mais c'est bien péjoratif pour un programme qui coûte bien cher. Comment ça? Ben dans le fond, tu peux jamais mettre la même affaire, ton kit il se fait burn. Faut tout le temps que tu restes trendy avec le nouveau iPhone, le ring light, t'es obligé de voyager. Faut que tu commandes sur plein de sites comme Wish, Alibaba, j'ai oublié donc, Amazon, puis plein d'autres comme ça. Hey, ça en fait des dépenses. OK, mais ton horaire a l'air de quoi? Le lundi, c'est échange de services, 3 heures à comprendre le cerveau humain et l'offre et la demande. Ou comment pas payer son Starbucks dans sa vidéo. Le mardi, c'est réseautage, un partage d'informations et de promotion de produits. En gros, c'est regarder des vidéos, les copier, puis avoir des likes. Le mercredi, c'est un masterclass de manipulation sécuritaire et ouverture sur le monde. Ça, c'est commander des bonbons chinois puis les ouvrir en live. Le jeudi, c'est cours meilleur conseil de ton optimisation de ton image de marque. En gros, tu prends photo puis tu mets des hashtags. Là. Hashtag! Le vendredi, c'est bootcamp se mettre à son meilleur jour. Tu vas juste nous faire croire que ta vie est toujours parfaite et meilleure que la nôtre. Exactement. Et tout ça en seulement 3 ans d'études. Oh mon Dieu. Hey, je peux pas croire ça. Ma session est annulée. Tous mes profs sont pognés dans un avion. Hey, je vous laisse. Faut que j'aille parler de ça à mes abonnés. Voici maintenant une création partielle en variété. Il nous offre
Speak White, accueillons Alexis Roy Le Tartre de l'école secondaire des Pionniers. Speak White. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak White. Et pardonnez-nous d'en avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelly Gant. Speak White, parlez de choses et d'autres, parlez-nous de la grande charte ou du monument Lincoln, du charme gris de la Tamise, de l'eau rose, de la Potomac. Parlez-nous de vos traditions, nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous rallyez Speak White, quand vous gâtez dans Brass Tack pour parler du Gracious Living et parler du standard de vie et de la grande société un peu plus fort, alors Speak White, haussez vos voix de contremaître. Nous sommes un peu durs d'oreilles, nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak White and loud, qu'on vous entende Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Speak White, parlez-nous production, profits et pourcentages. Speak White, c'est une langue riche pour acheter, mais pour se vendre. Ah, speak white, mais pour se vendre. Mais pour se vendre. Ah, speak white, big deal. Mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève. Pour raconter l'histoire d'un peuple concierge. Mais pour rentrer chez nous le soir, à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles. Mais pour vous dire, oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour à l'est de vos empires. Rien ne vaut une langue à jurons. Notre parleux pas très propre, taché de cambus et d'huile. Speak white. Soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction du langage. Dans la douce langue de Shakespeare, avec l'accent de Longfellow, parlez un français pur et atrocement blanc, comme au Vietnam, au Congo. Parlez un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents. Parlez russe, parlez rappel à l'ordre, parlez répression. Speak white, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ces mots lacrymogènes, avec ces mots matraques. Speak white, tell us again about freedom and democracy. Nous savons que la liberté est un mot noir, comme la misère est maigre et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Speak white, de Westminster à Washington, réveillez-vous. Speak white, comme à Wall Street, white, comme à Watts, be civilized. Et comprenez notre parler de circonstances quand vous nous demandez poliment, how do you do? Et nous entendez-vous répondre, we're doing all right. We're doing fine. We are not alone. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Alors, qu'est-ce qui nous retient à rester enchaînés pendant que nous pourrions aisément profiter de la manière la plus belle et harmonieuse qui soit de notre liberté politique, économique, sociale et culturelle? Pendant que certains crachent sur notre culture, nous devons en être fiers. Fiers de nos racines, de notre langue et de notre musique. Cette dernière qui, en attendant d'être souverain, nous permet de nous rappeler que nous sommes distincts. Et nous remémore l'espace de quelques rilles qui ne suffit que d'un peu de volonté. Pour qu'un jour,
Nous soyons tous fièrement citoyens de la République du Québec. Ah ouais, Samantha, le dépêche! Ah ouais, Kevin! Hey, je fais de mon mieux, le crime! Kevin, là, l'autre bord! L'autre c'est toi qui se posera! Colibine! Bienvenue à Taxi Pas Si Payant! Quel est votre nom? Oh, pas le temps de niaiser, je suis en train de m'accoucher! Moi, c'est Kevin Gingras, mécanicien. Je paye des chars à mon compte. Me niaises-tu, là? Check l'autre qui donne son CV! Je suis en train d'accoucher, Kevin! D'accoucher! Sais-tu ce que ça veut dire, accoucher? Ben oui, là, je suis pas capable, là. Ça a l'air de faire mal, un peu comme quand je passe à Sierra Massivique, là. Dis-moi que tu me niaises. T'as une seconde pour me dire que tu me niaises. Parfait, un beau petit couple pour jouer avec nous. Mais rappelez-vous, vous êtes surtout ici pour faire de l'argent. Veux-tu bien dire pourquoi qu'on a pris un taxi au lieu de ton char? Parce que compte sur moi qu'il n'y aura aucune trace de place à tous ces bancs de Massivique, certain. Première question pour 5 $. Épelez-moi 1300. Facile. 1300. Malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Il ne vous reste que 2 vies. Toi, si t'avances pas plus vite, t'en resteras plus de vie! Hey, bébé, là, calme-toi, là. On l'a pas eu celle-là, mais on va avoir la prochaine. Si ça parle de char. Deuxième question. Si j'ai une banane, 3 pommes, 4 ananas et 12 raisins, quelle sorte de sac ai-je besoin? Ah, oh, je m'en sacre! Tu veux dire, je m'en sacre? Hey, je le sais pas, là, je mange pas ça des fruits. Un sac d'épicerie? Bonne réponse! Dernière question. Quelle sorte d'animal est le héros du Roi Lion? Hey, retiens-toi le bébé, là. La preuve que je t'aime, je le sais que c'est ton film préféré. J'aurais dû l'écouter au lieu des guides de l'auto. M'en prendre de l'aide. Hey, toi! C'est qui le héros du Roi Lion? Non, c'est un lion! Hey, shit, bébé, là, je suis concentré. Un lion? Malheureusement, votre temps est écoulé. La bonne réponse était un lion. Hey, moi, ça va faire, je débarque ici. Je peux pas croire. Pas avant le qui est tout double. Oh, check-moi bien, tu créeras pas ça. Toi, viens-t'en! Mais là, bébé, c'est le qui est tout double. Hey, t'as le choix, Kevin. Tu doubles ou je te quitte? Décide là, là! Je peux-tu au moins savoir combien on est rendu? C'est parce que j'aimerais ça changer mes mags un moment donné. Continuons dans la catégorie musique avec une création totale. Accueillons du Collège Marie de l'Incarnation, Émile Lavergne, Vicky Lefebvre et Alicia Saint-Onge avec La Bataille.
Bonsoir tout le monde, je suis content de voir un si grand nombre! Ouais! Hey! Si vous êtes ici, c'est que vous savez qu'il est temps que les choses changent! Ouais! Ouais! Chut! On va pas se taire! Non! Chut! Non! C'est non! C'est assez! Ouais! Yeah! Le... Levons-nous contre les injustices de ce monde! Ouais! Ok, là c'est assez. Dehors, maintenant, dehors! Ouais, c'est peut-être pas meilleure idée dans une bibliothèque qu'une manifestation. Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pour le dernier numéro de cette première partie, nous vous présentons une création partielle en danse intitulée « Trop beau » de l'Institut scolaire Kerena. Voici Clara Bédard et Jade Poirier. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesse même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein.
Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil, maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour c'est le chaos. Regarde-nous, le destin pas honte, les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps se fait de l'aquaplaning. Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Là, Madame Tanguay, on est rendu au moment que vous aimez pas trop. Je vais vous le craquer le cou. Là, oubliez pas, restez molle, puis on lutte pas. C'est bien, on reste molle. C'est fou à quel point ça craque. Bon, parfait, vous avez bien fait ça. Là, je vous dis bonne journée, puis on se revoit le mois prochain. Bonne journée. Salut, là. Il va falloir par s'en rendre compte que t'es pas Kiro. Poursuivons le spectacle en musique avec une création totale des élèves de l'école secondaire L'Escale, soit Étienne Barry, Thomas Buisson, Liam Dansereau, Kim Lupien et Maryse Saint-Jean. Voici leur numéro Collision interstellaire. Thank you.
Qu'est-ce que vous faites? Rien, des installateurs de piscine. Ah ouais. À 3 heures du matin, dans mon bloc, en train d'essayer de rentrer de force dans le bloquement de ma voisine. Ben, on a dit installateur de piscine, on voulait dire vérificateur de cuisine. Ouais. Essayez-moi de prendre pour une vieille folle. Je sais que vous êtes en train d'essayer de voler. Oui. Non. Oui. Non. Ah ouais, qu'est-ce que ça fait un vérificateur de cuisine? Ouais, qu'est-ce que ça fait un vérificateur de cuisine? Ça vérifie qu'une cuisine. Ah ouais. Vous savez qu'il faut t'avouer, t'as moitié pardonné, hein? OK. Oui, madame, on vole. Mais s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Oh non, c'est pas si facile que ça. Je n'appellerai pas la police. À une condition. Laquelle? Que vous voliez son volant! Son Christique violon! Enchaînons maintenant avec une création totale en expression dramatique, intitulée « Pète et répète ». Ce numéro nous est présenté par Ariane et Amélie Baillargeon de l'école Chavigny. Dis, Mélo. Oui? Pète et répète, s'en vont ton bateau. Pète ton ballot. Qui reste? Répète. Ok. Répète et pète, s'en vont ton bateau. Répète ton ballot. Qui reste? Pète? Ok. Pète et répète, s'en vont ton train. Le train déraille. Qui reste? Le train. Le train? Le train qui? Le train moi. Le train toi. Ok. Le train et Mélo s'en vont en bateau. Mathéo arrive, il les pousse dans l'eau. Mathéo? Mais c'est qui Mathéo? Mathéo le poisson-lune, voyons. Oh, Mathéo le poisson-lune. Mathéo le poisson-lune. Oh. Mathéo le poisson-lune arrive, il les pousse dans l'eau. Qui reste? Toi? Moi? Moi et qui? Toi et moi. Moi et toi. Ok. Mélie et Mélo s'en vont en chaloupe. Mélo aperçoit Mathéo qui nage au fond de l'eau. Mélo décide de repêcher Mathéo. Mélie, Mélo et Mathéo tombent dans l'eau. Mais pourquoi est-ce qu'ils tombent? Mais parce que la chaloupe, elle a chaviré, voyons. Oh! Mélie, Mélo et Mathéo tombent dans l'eau. Mathéo veut remonter hors de l'eau. Un requin arrive, il mange Mathéo. Un mégalodon arrive, il mange le requin qui a mangé Mathéo. Le kraken arrive, il mange le mégalodon qui a mangé le requin qui a mangé Mathéo. Le Titanic arrive, il poignarde le kraken qui a mangé le mégalodon qui a mangé le requin qui a mangé Mathéo. Qui reste? Le Titanic? Le Titanic? Mais non, il a coulé. Oh! Qui reste? Rose, Jack et la planche. Rose, Jack et la planche. Ok. Rose, Jack et la planche s'en vont sans bateau. Mais qui reste? Oh, Rose, Jack et la planche. Rose, Jack et la planche. Mais non, Jack aussi, il a coulé. Oh!
reste? Rose et la planche. Rose et la planche. Ok, ok. Rose et la planche s'improvisent une chaloupe. Ils partent en vacances à New York. Ils arrivent à New York. Ils montent dans un taxi. Le taxi roule dans les rues de New York. Le taxi tourne. Le taxi dérape. Le taxi quitte la route. Le taxi fait un tonneau. Le taxi tombe dans l'eau. Le taxi explose. Qui reste? Les débris. Les débris. Ok, ok. Il ne faut pas jeter ces débris dans l'océan. Car un Mathéo pourrait se faire manger par un requin, qui pourrait se faire manger par un mégalodon, qui pourrait se faire manger par un kraken, qui pourrait se faire poignarder par le Titanic. Morale de cette histoire? Ne partez pas, ils en chaloupe. Mélo. Oh! L'échelle. En cette période de pénurie d'enseignants, nous vous remercions d'avoir répondu à l'appel. Il est maintenant temps de savoir si vous avez réussi l'examen afin de pouvoir enseigner les mathématiques. Donc, pourriez-vous me donner la réponse de 3 fois 3, s'il vous plaît? Je vais dire 648. Non, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. À un moment donné, il faut avoir une certaine sélection. Et vous, quelle est votre réponse? Je dirais vendredi. Hi! Mais voyons, hein, on n'est pas chanceux. Non, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Il ne reste donc que vous. Quelle est votre réponse à 3 x 3? C'est 9. Mais oui, c'est exact. Mais vous savez maintenant que la démarche est tout aussi importante que la réponse. Donc, pourriez-vous me donner votre démarche, s'il vous plaît? Bien sûr. Je dois avouer que j'étais chanceux de passer en troisième. C'est simple, j'ai fait 648 divisé par vendredi. Le prochain numéro, Je déteste ma vie, est un numéro en interprétation musicale. Ils sont de l'école secondaire L'Escale. Accueillons Emmanuel Decoste et Thomas Buisson. J'ai tenu mes...
mes envies de revenir en laisse. Et j'ai pleuré au loin, ou bien trop loin de toi. Je déteste ma vie, c'est long, ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. Je déteste ma vie, c'est long, ma vie sans toi. Je sais trop que ma place j'avais ma place sur la terre comme au ciel, voulu laisser ma trace. J'ai joué mes bonheurs, facile à pile ou face, et j'ai perdu au loin, ou bien trop loin de toi. Encore une autre conférence pour vous aujourd'hui? Maryse, depuis le temps que tu es ma chauffeuse et que tu assistes à mes conférences, tu connais le texte par cœur. Donc aujourd'hui, je te propose quelque chose. On va échanger les rôles. Tu vas donner la conférence et je conduirai. De toute façon, personne dans cette ville-là nous connaît. Tout va bien se passer. C'est une bonne idée, c'est bien parfait. Vas-y. Bonjour, Madame Lavigne. Ravie de vous recevoir dans notre ville. Alors, comme première question, qui a découvert Uranus? Merci de m'avoir invité. C'est Tom Herschel. Et ensuite, qui a découvert Pluton? C'est Clyde Tombaugh. Mm-hmm. Je ne suis pas très, très impressionné par vos dernières recherches. Alors, prouvez-moi que votre réputation est à la hauteur de mes attentes. Pourriez-vous nous dire les avantages et les inconvénients du modèle d'instabilité par accroissement du disque et celui par pulsation en ce qui concerne les explications des explosions d'étoiles à cataclysme variable? Votre manque de confiance me chagrine, mais sachez surtout que votre question est une insulte à mon intelligence. Elle est si simple que pour vous le prouver, je vais demander à ma chauffeuse d'y répondre.
Voici maintenant le dernier numéro de la partie concours. C'est une interprétation en musique intitulée « D'amour et d'amitié ». Applaudissons Sarah Dubé, Jérémy Garceau, Jordan Lebel et Samuel Vallée de l'école secondaire Val-Mauricie. Comme une île en plein océan, on dirait.
assis. Bonjour, madame. Salut, Ludo. Ah, c'est ça. Ludo, hein? Vous vouliez une rencontre afin qu'on puisse discuter? Je vous avouerai que je suis assez surprise. Tout se passe bien en ce moment. Exactement. C'est quoi, ça? C'est 96%. Je vous avouerai que je suis assez contente de sa note. On a travaillé fort. Exactement. 96. Lui, ça, me prenez-vous pour une conne? Oh! Je l'ai vu, chouchou. Je l'ai écouté. Je le sais! Ludo, 96. Oh non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, elle comprend pas. Regardez, mon fils. Regardez comment il est rouge. On voit bien qu'il se passe quelque chose. Vous couchez avec mon fils! Juste une petite seconde, si vous me le permettez. Code chouchou au 2208. Je répète, code chouchou au local 2208. Merci. Ah ah! Tu vois, Ludo, je suis là pour toi. Ah ouais, dis-moi-le que tu l'aimes. Mais là, je l'aime pas, là. Tu l'aimes pas? Tu l'adores! Ben non, elle est bien correcte, là. Ah ah! En plus, je le sais pour vos petites sorties. Quelle petite sortie? Le théâtre, le musée pop, la cité de l'énergie. Le centre de la biodiversité, Vallée du Parc! Là, madame, calmez-vous, ce sont des sorties scolaires! Eh bonne, a failli m'avoir. J'ai failli la croire. En même temps, ton âge, c'est normal que t'aies eu. Bon, le moment, là, il est presque ennemi, là, il faut qu'on y aille. Ça va être la rencontre avec la conseillère d'orientation. Hey, je sais même pas pourquoi elle, on a allé la voir. Je sais très bien que tu vas devenir médecin. J'écoute tape, moi, monsieur. Ceci met fin à la partie concours. Pendant que les juges prendront quelques minutes pour délibérer, nous vous invitons à rester sur place afin de voir la présentation de certains numéros coup de cœur sélectionnés lors des différentes finales locales. Ces numéros sont présentés dans le volet hors concours. Le premier numéro coup de cœur nous est présenté par un élève de l'école secondaire Champagnat. Accueillons Jonathan Piniquet avec Santé. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célèbre hein, ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère. Dans une heure, je reviens que ce soit propre, en piscine, manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, ils les fabriquent ou quoi? Heureusement que ce qui est de verre. Rappelle-moi ton responsable et fais vite, il pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter, tu pourras toujours te frotter, frotter. Si
si tu ne me connais pas. Brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Et tous ceux qui souffrent de problèmes de cœur, qui n'ont pas de cœur aux célébrations. Qui n'ont pas de cœur aux célébrations. Qui n'ont pas de cœur aux célébrations. Heureusement, je suis en congé demain. Hey, pas moi, c'est la fin de semaine qui m'oblige à travailler. Je peux pas croire qu'après 25 ans de service, ils m'obligent encore à travailler. Ça a pas de sens. Ça va, 33-51? Parle-moi-en pas, là, j'étais à ma 27e heure. Puis c'est pour ça que t'essayes de trouver une excuse pour quitter la job? Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que t'as l'air de vouloir faire la fièvre avec ton thermomètre sur le bord de l'oreille, là. Oh! Ben là, pars pas de même, là, c'était juste une joke. Pourquoi t'es frustrée? Je suis pas frustré, je vais voir M. Bellemare. Ben là, ça peut attendre, tu peux prendre une pause avant. Ben là, c'est parce que si c'est moi qui ai le thermomètre, là, ça veut dire que lui, il a mon stylo dans le cul. Prenez soin de nos infirmières avant qu'il ne soit trop tard. De libérer, délivrer. De l'école secondaire des pionniers, voici Gurdain Catalan. Dans la nuit, la neige règne à son tour. Au royaume des solitudes, ma place est là pour toujours. Les vents qui hurlent à moi ne pensent plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en bas. Cache tes pouvoirs, qu'on parle pas. Attention, les secrets survivra, pas de t'attendre, pas de tourment, des sentiments. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, j'ai m'aimé. Cette magie pleine de mystères, les bien, les mal, je dis.
ding. Oh, mais bonjour, Madame Cossette. Comment ça va aujourd'hui? Bof, pas top, mon beau boucher préféré. J'ai le nerf sciatique de bloqué. Ma fille, elle vient plus me voir. Mon chien s'est mangé une patte, puis mon chat, ben, il s'est fait manger par mon chien. Très bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que ça va être pour aujourd'hui? Ça va être 30 livres de poulet pressé. OK, ensuite? 25 livres de pastrami. 40 livres de ballonné. Puis un bon 65 livres de steak haché. Bon, tout, vous allez pas manger ça toute seule? Ben non, avec des patates. Comme dernier numéro de la soirée, faisons place maintenant à Je l'aime à mourir de l'école secondaire Valmorici, accueillons Victoria Lajoie et Jordan Lebel. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira et n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons. Et chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux, de son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler. Je ne dois rien vouloir, je dois juste espérer. De lui appartenir, de lui appartenir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres avec moi pour être aussi forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Monsieur n'est Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à Le spectacle de ce soir constitue la deuxième finale régionale de secondaire en spectacle pour la région de la Mauricie. Le jury avait comme mandat de sélectionner trois numéros, soit la première, deuxième et troisième place, toutes catégories confondues. Donc voici le moment tant attendu du dévoilement des lauréats. Afin de vous présenter les lauréats, accueillons la coordonnatrice régionale du programme secondaire en spectacle Mauricie, Mme Jessica Côté.
Merci. Oh, merci. Je venais improviser. Oh, on applaudit Vincent, responsable du jury. Merci, Vincent. Oh. Merci, on va tellement passer une plus belle fin de spectacle. J'avais aucune blague, rien. Vincent? J'ai aucune feuille. Eh non, c'est pas vrai, c'est ici. Mon petit a couru dans l'autre bout. Bonsoir. Avant de parler des lauréats de ce soir, je vais donner un prix. C'est un prix vraiment important, c'est un prix d'une grande valeur. C'est le prix du camp chanson de Petite-Vallée. Le prix est de 700 $ et est remis grâce au soutien exceptionnel de Québécois. Depuis maintenant plus de 20 ans, c'est le seul camp de vacances spécialisé en chanson au Québec. Et ils ont la générosité de remettre plusieurs bourses, dont à Mauricie, une par soirée. Hier, il y a eu un gagnant et ce soir, un autre gagnant, je devrais dire gagnante. Ce que devait faire l'élève, l'élève participait à une finale locale, mais pas nécessairement sur notre finale régionale. Je ne sais même pas si cette personne est dans la salle ce soir. Je te starte ça. Feeling. On verra. Si vous êtes intéressé à ce camp, je vous invite à regarder le site campchanson.com. Sans plus tarder, je ne sais pas si la gagnante est là. Félicitations à Madame Chloé Desharnais. Chloé, est-ce que tu existes? Est-ce que tu es dans la salle? Wouhou! Bravo, Chloé! Nous te remettrons ton certificat. Je te vois pas du tout, mais je vois des gens debout. Je suppose que tu es là-dedans. Yeah! C'est tes parents qui sont contents. Ils viennent de sauver 700 $! Maintenant, je vais y aller avec le spectacle de ce soir et je vais inviter tous les artistes, animateurs et techniciens à venir me rejoindre sur scène. On les applaudit. Dévoiler les résultats, j'aimerais remercier certaines personnes, dont le jury de ce soir, ces juges qui sont bénévoles et le font uniquement pour les adolescents, les artistes et la culture. Le jury de ce soir était composé de M. Maxime Beaudoin, Mme Elisabeth Farrier, Mme Sabrina Joubert, M. Patrice Visage, Patricia Côté, Gabriel Meunier et Sarah Genet. Merci à vous sept. J'aimerais également qu'on applaudisse les intervenants en loisirs des différentes écoles et je vais les inviter à venir me rejoindre à l'avant. Merci beaucoup à Joanie Franqueur de l'Escale, Élise Baudet des Pionniers, Xavier Parent du CMI, Michael Arcand-Bellemare de Chavigny, Mme Julie Sauvageau de Champagne, Suzy Bibeau de Val-Mauricie et Stéphane Huas d'Amorano de Carana. On les accueille et ils ne sont pas là. Yeah! C'est un hit, cette fin de spectacle-là. Ah, vous êtes derrière. Parfait. Excellent. Je vais inviter également mon comparse des 24 dernières éditions. Il est responsable de la régie depuis maintenant 24 ans, M. André Cadorette, à venir me rejoindre afin de remettre les certificats gagnants. Maintenant, le moment tant attendu. Les trois prochains numéros iront représenter la Mauricie à la finale du rendez-vous pan-québécois à Laval du 1er au 4 janvier prochain. Alors, allons-y avec la troisième position. J'ai dit janvier? C'est ça, là. Je suis épuisée, mesdames, messieurs. Je suis épuisée, vous savez pas. OK. Bon, parfait. 1er au 4 juin. Je suis toute là. OK. En troisième position... Le jury a choisi l'enfer. Bravo! Et là, j'invite les techniciens. Allez, animateurs à l'oiseau, rapprochez-vous pour prendre la photo de tout le monde ensemble. Dimitri, tu es là, notre photographe officiel.
Félicitations! Bravo! Ce que se méritent nos gagnants ce soir, c'est entre autres j'ai plus de mots. Ça, c'est un chandail. OK, un chandail. Tabarouette, ça va bien. Gagnant régional de 2023. Oui, c'est ça. OK, parfait. Vous ne le recevez pas ce soir, car je vais prendre votre grandeur. On n'a pas des chips, là, on te fait ça. OK. Maintenant, en deuxième position, le jury a choisi Collision interstellaire. On prend une photo pour Dimitri qui est ici. Chou! Ce qu'il y a à savoir qui regardait, c'est la... Ouais, la caméra qui est là. Parfait! Félicitations à vous tous. Nous vous invitons au rendez-vous Pente québécois. Bravo! Et maintenant, en première position, le numéro gagnant de la soirée. Félicitations à Pet puis Répète! Je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de soirée en espérant vous voir nombreux à la finale le 1er au 4 juin à Laval. Merci à tous.